Bonjour, bonsoir, comment nous tout dépendamment de l'air n'a regardé vidéo. Jeudi, c'est un plaisir pour moi pour vous présenter nous un peu de histoire nationale parce que nous connaissons très bientôt ce qu'est l'examen. Vous présenter aux vidéos ça, un souci pour nous-mêmes nous aider ou mieux réussir dans la question bagaille examen. Moi, c'est Richer Ewol, journaliste, avocat, éducateur. Étudiant en théologie maintenant. Nous allons parler un peu de l'histoire nationale. Je dis, je n'ai pas choisi par les Français parce que je dis, nous connaissons bien que lui-même, il ne peut parler français. Mais à ce niveau-là, nous pas à niveau pour venir parler français, mais c'est faciliter chaque monde. Retenir yon bagay et puis comprendre yon bagay dans l'histoire nationale lorsque nous-mêmes nous arrivons dans l'examen pour que nous-mêmes nous en mesure pour nous-mêmes nous composer assez bien. On va commencer avec nous avec l'occupation américaine. Le plus souvent, certaines fois, professeur ignorer l'occupation américaine. Des fois, c'est peut-être parce que n'est pas trop facile parce que une série de monde c'est seulement au connaît cause occupation américaine mais une série de bagaille pas connaît de l'occupation américaine des fois ils ignorent l'occupation américaine mais souvent fois dans les examens on donne des sujets certaines fois sur l'occupation américaine certaines fois sur le massacre de 1937 si on ne veut pas dire massacre de 1937 on peut dire aussi et l'échec diplomatique du président Stenio Vincent. Et ensuite, nous avons la chute du président Élie Lescaut, ou bien la révolution de 1946, ou bien la situation révolutionnaire de 1946. Et ensuite, nous avons Dimassé estimé comme l'homme de la libération financière, ou bien le président progressiste, ou bien les actions entreprise par Dimassé estimé afin de relever la situation économique du pays. Et d'autant plus, nous avons Paul-Eugène Magloire. Paul-Eugène Magloire, connaissez-vous bien que sous Paul-Eugène Magloire, le pays a connu une balance économique excédentaire. Et bien donc, et cela paraît important. Et bien, on peut donner un sujet de sous relation du gouvernement de Paul Magloire et celui de Dimassé. Estimé Paul Eugène Magloire ensuite peut-être considéré comme un canson fer ou bien Paul Eugène Magloire était-il un criminel d'après certains historiens et ensuite nous avons la situation d'Haïti en 1956-1957 après la chute du président Paul Eugène Magloire ou bien coup d'état de Paul Eugène Magloire et on va assister avec la venue des Duvalier. C'est-à-dire, aux examens, on a l'habitude de donner des dissertations sur Duvalier et la masse, ou bien Duvalier et l'opposition. Analyser les relations du gouvernement de Duvalier ou bien du régime duvalieriste avec la masse ou bien avec l'opposition. C'est ça qu'on a l'habitude de donner. Et ensuite, l'avènement de Jean-Bertrand à Sud. Maintenant, nous allons commencer avec l'occupation américaine. L'occupation américaine, savez-vous bien, et de 1915 à 1934, l'occupation américaine d'Haïti a duré près de 19 ans. Mais le plus souvent, ce que vous devez savoir en ce qui a trait à l'occupation américaine, c'est que quelles sont les causes ou bien quels sont les facteurs qui ont provoqué ou bien qui ont suscité l'occupation américaine d'Haïti le 28 juillet 1915. Origine de l'occupation américaine. Depuis le départ du président Thérésias Simon Sam en 1902, Thérésias Simon Sam avait déclaré « Je suis le dernier président d'Haïti et que, après moi, que le désordre règne dans le pays. » Eh bien, cela allait justifier jusqu'en 1915. Particulièrement depuis 1912-1913, depuis 1900, après le départ de Thérésias Simon Sam, c'était l'avènement du président Nord Alexis. Après Nord Alexis, on va assister avec l'avènement du président Cincinnatus Lecomte et on va tomber automatiquement dans le gouvernement éphémère. Eh bien,
Après le départ du président Cincinnatus Lecomte, savez-vous bien, en 1912, il y avait l'explosion du palais national. Eh bien, ces moments-là ouvrent une porte au désordre ou bien une situation chaotique dans les pays. C'est-à-dire, le pays, dans le pays à l'époque, peut-être aller en créole parce que moi souhaitais à ce que moi facilite tout le monde comprendre automatiquement ça nous-mêmes n'a développé là aujourd'hui parce que je dis nous pas voulons pas comprendre. Eh bien, après l'explosion du palais national en 1912, eh bien, nous constatons que les mêmes pays ont plongé dans une situation de crise. Eh bien, on a assisté avec près de 4 présidents en 2 ans. Eh bien, là, on a pu constater que dans les pays, il y avait ce qu'on appelle l'instabilité politique. Mais cette instabilité politique, on dit, qu'est-ce qui a occasionné cette instabilité politique dans les pays? Eh bien, savez-vous bien, au 19e siècle, c'était la question de Parti Kako et les Piquets, on dit Parti libéral, Parti national. Mais après l'explosion du palais national, on va assister avec une rivalité entre les Kako et les Piquets dans le nord et dans le sud. Donc, eh bien, l'ensemble de ces personnages, après l'explosion du palais national, ont la curiosité, ont l'amour pour le pouvoir. Eh bien, de ce fait, la société haïtienne a été ségrégationnisée. Ça veut dire la société haïtienne a été divisée en différents groupes. Eh bien, chacun de ces groupes, on dit, est en quête du pouvoir politique pour avoir l'hégémonie nationale. C'est-à-dire, chaque groupe, on dit, a voulu avoir le pouvoir politique, détient le pouvoir politique. Eh bien, c'est ce qui avait occasionné dans les pays la division du pays en différents groupes. Eh bien, donc, à ce même moment-là, chaque président qui est arrivé au pouvoir, il est susceptible d'être remplacé par un autre gouvernement. C'est-à-dire, il a été renversé automatiquement par le parti de l'opposition. Eh bien, on a souvent renversé le gouvernement. Eh bien, c'est ce qui a donné ce qu'on appelle l'instabilité politique. Eh bien, 4 présidents ont été succédés au pouvoir. Parmi lesquels, on peut citer, ou bien citons entre autres, on dit David Mathéodore, Orezamor, et Wilbrin Guillaume Sam, ce sont les présidents, on dit, qui ont, si c'est Michel Aurès aussi, et qui ont succédé pendant 2 ans au pouvoir. Eh bien, cette époque est caractérisée par ce qu'on appelle l'instabilité politique. Et d'autant plus, on a pu constater dans les pays que une forte majorité de la population vivait dans ce qu'on appelle la pauvreté extrême. À ce moment, les gens qui vivaient dans le monde savent vivre dans la pauvreté extrême. Donc, le monde savent lui-même, le monde savent susceptible même pour eux, influencé par d'autres. Eh bien, tout au jour le jour, on a assisté, chaque jour, on a assisté avec ce qu'on a avec ça, nous, et lutte pour pouvoir dans le pays. Eh bien, chaque jour, il y a une révolution, il y a un mouvement qui a fait pour renverser le gouvernement. Eh bien, au jour le jour, on a renversé le gouvernement. Et puis, d'autant plus, nous t'ai assisté avec l'arrivée du président Wilbrin Guillaume Sam. Eh bien, Wilbrin Guillaume Sam, président, avait ordonné le général Oscar Etienne de massacrer tous les prisonniers politiques. Excusez-moi parce que des fois nous allons en français, nous allons en créole, mais moi je tiens à ce que je allons en créole, mais excusez-moi pour nous faire quelques interférences. Eh bien, Wilbrin Guillaume Sam lui-même lui ordonné général Oscar Etienne pour général Oscar Etienne fait massacrer prisonniers politiques. Eh bien, massacre des prisonniers politiques est l'une des causes de l'occupation américaine. Eh bien, après avoir massacré les prisonniers politiques, eh bien, la population était assassinée, le général Oscar Etienne. Eh bien, le général Oscar Etienne a été
mort, eh bien, on a tué le général Oscar Étienne au lendemain des funérailles, c'est-à-dire au 27 juillet 1915, eh bien, on a assassiné le général Oscar Étienne. Après avoir assassiné le général Oscar Étienne, eh bien, la population était en colère, eh bien, la population tente de prendre, on dit, de capturer le président Wilbrin Guillaume Sam. Eh bien, Wilbrin Guillaume Sam, chance pour lui, il était essayé de tenter aller dans la légation française qui était en Haïti à cette époque. Eh bien, la population prend Wilbrin Guillaume Sam dans la délégation française. Eh bien, yo tué Wilbrin Guillaume Sam, eh bien, le même jour, le président en fonction, eh bien, le même jour, le 28 juillet 1915, eh bien, les Américains eux-mêmes yo fait apparition. Mais pourquoi les Américains arrivent ou bien faire son ses apparitions sur le territoire national? Eh bien, les Américains sont venus sur le territoire national le 28 juillet 1915, après l'assassinat du président Wilbrin Guillaume Sam. Mais les Américains ont profité de cette occasion pour contrôler les finances du pays. Pourquoi? À cette époque, il y avait le développement de l'industrie aux États-Unis. Eh bien, les États-Unis ont besoin non seulement des matières premières pour transformer de ces industries, mais ils ont besoin aussi des marchés pour faire écouler ces produits industriels, c'est-à-dire les produits manufacturés. Eh bien, de ce fait, ils ont profité de cette occasion pour intervenir dans notre pays. Bien, le 28 juillet 1915, on a assisté avec le débarquement des Américains en Haïti. Ces moments-là, les Américains ont profité de cette occasion pour mettre en application la doctrine de James Monroe, qui disait Amérique aux Américains, c'est-à-dire on résume la doctrine de James Monroe en trois mots, Amérique aux Américains, mais c'est les Européens n'ont pas le droit d'intervenir dans les affaires de l'Amérique. S'il y a un problème dans l'Amérique, ce sont les Américains qui doivent résoudre le problème qu'il y a en Amérique, mais ce ne sont pas les Européens. Bien, les Américains ont profité de cette occasion pour jouir ou bien pour contrôler ses intérêts ou bien pour jouer de ses intérêts dans la Caraïbe, particulièrement en Haïti, parce que les Américains ont beaucoup d'intérêts dans la Caraïbe, particulièrement en Haïti. Eh bien, on va assister avec le début de l'occupation américaine. Début de l'occupation américaine, 28 juillet 1915. À l'arrivée des Américains dans le pays, ils ont descendu notre bicolore national et fait hisser le drapeau américain sur les casernes de Dessalines. Dans tous les pays flottent le drapeau américain. Cela marque une déception pour la nation haïtienne. Pourquoi? Parce que le fait de descendre notre bicolore pour faire hisser le drapeau américain, cela vêtit beaucoup de choses. Donc, l'armée qui était à l'époque ne voulait pas l'occupation. Les sénateurs aussi et les députés ne voulaient pas l'occupation. Les intellectuels du pays ne voulaient pas l'occupation. C'est ainsi qu'on a parlé de résistance face à l'occupation américaine ou bien l'opposition face à l'occupation américaine. Mais donc, si vous arrivez aux examens, on vous donne un sujet sur l'opposition ou bien résistance face à l'occupation américaine, vous devez procéder ainsi. Face à l'occupation d'Haïti, les députés ou bien les députés et les sénateurs ne voulaient pas coopérer avec ou bien collaborer avec les Américains. Et bien, que font ces sénateurs et ces députés? Les sénateurs et les députés refusent de signer les accords avec les occupants. On appelle ça résistance parlementaire. Les sénateurs et les députés refusent de
signé les accords relatifs à l'occupation du territoire. À ce même moment-là, on va assister avec l'arrivée au pouvoir du président Sidat Tigenav, eh bien, sénateur a refusé de collaborer, signer contrat avec l'occupant. Et excusez-moi, d'après là dans la vidéo, ça, moi invité à abonner channel là, de façon à ce que vous-même vous capable de joindre cette vidéo, parce que moi, nous ne pouvons pas excéder 15 minutes dans la vidéo pour au moins permettre de suivre bien. Courant, n'a venu pour nous-mêmes nous présenter résistance face à l'occupation américaine, parce que ça, c'est une importance capitale dans la question de bagage à nous examiner. Merci beaucoup de, parce que vous suivez nous. Songez à abonner pour vous-même au cas de la vidéo, nous-mêmes nous la guillons. Merci beaucoup. Songez poser question, vous voulez commenter, n'a pas nous.